Meghan Markle et le prince Harry participeront aux Jeux Inuits tous aux Pays-Bas cette semaine. Et ce faisant, le couple revisitera une étape importante de leur première relation, le prince Harry sera rejoint par son épouse Meghan Markle, la duchesse de Sussex, aux Jeux Inuits tous à La Haye, a maintenant confirmé un porte-parole du couple. Les Jeux Inuits tous auront lieu du 16 au 22 avril, et les fans royaux seront sans aucun doute impatients de voir les Sussex se déplacer lors du célèbre événement sportif. Les Jeux Inuits tous sont un événement sportif international pour les militaires blessés. Blessé et malade, et il a été retardé ces dernières années en raison de la pandémie de Covid-19. En tant que fondateur des Jeux Inuits tous, Harry sera sans aucun doute ravi de voir l'événement revenir, car il est connu pour occuper une place spéciale dans son cœur en tant que vétéran lui-même. Mais l'événement sportif est aussi particulièrement poignant pour Harry et Meghan en tant que couple, et il a joué un rôle clé dans leur relation précoce. Il y a 5 ans, aux Jeux Inuits tous de 2017, Meghan a fait sa première apparition lors d'un engagement officiel auquel assistait Harry. Meghan avait confirmé à Vanity Fair en 2017, peu avant son apparition aux Inuitus Games, qu'elle et Harry étaient vraiment heureux et amoureux. Meghan a déclaré à la publication, « Nous sommes un couple. Nous sommes amoureux. Je suis sûre qu'il y aura un moment où nous devrons nous présenter et avoir des histoires à raconter, mais j'espère que ce que les gens comprendront c'est que c'est notre heure. » Ainsi, le 24 septembre 2017, les fans royaux ont été ravis lorsque Meghan était parmi la foule lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Inuits tous à Toronto, au Canada, le pays où Meghan vivait alors qu'elle jouait dans le drame télévisé américain Suits. Harry et Meghan étaient assis à part lors de cet événement, mais lors de l'événement de tennis en fauteuil roulant le lendemain, le couple a été aperçu se tenant la main. On pensait que Harry et Meghan sortaient tranquillement ensemble depuis un an avant de faire leur début public au jeu. Mais après leur apparition publique ensemble, les rumeurs ont abondé selon lesquelles une annonce de fiançailles était sur les cartes.